Alors, chers amis, bonjour, 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 bonjour. Alors, je suis en direct, je suis en direct, c'est un spécial. Voilà, c'est un spécial. Donc, on va échanger pour quelques minutes. Connectez-vous, nous sommes passés à la vitesse supérieure. Alors, depuis 3 à 4 jours, je pense que le RHDP, comme vous tous, vient finalement de nous libérer. Voilà, on est tous libérés maintenant et on va passer maintenant à la phase supérieure. Chers amis, à la vitesse supérieure. Alors, chers amis, c'est vrai, vous m'avez manqué, ça fait au moins 3-4 jours que je ne vous ai pas vu. Ça, c'est vrai. Depuis que notre tout-puissant Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a été, en tout cas, a été choisi de façon unanime par tous les cadres. À 90% des cadres du RHDP. Alors, on va parler de l'homme, on va parler de son choix, et puis maintenant, on va lancer maintenant les hostilités. Nous allons parler, il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, des gens ont dit tellement de choses, mais je suis là pour toujours recadrer les choses. Alors, avant de commencer, comme je sais si bien le faire, moi, je partage. Je partage, mais avant de partager, je vous laisse. Sur le sang au RHDP, nous, on ne force pas. Nous, on ne force pas au RHDP. Nous, on essaierait. On a dit qu'on confiera le pouvoir à la nouvelle génération. Ce qu'on a dit là, on a matérialisé ça. Le président Ouattara dit, depuis 2016, je modifierai la Constitution. Il a modifié la Constitution. Il a mis en place une nouvelle Constitution, pardon. Il dit. On va modifier quelques articles. Tous les pouvoirs exécutifs, judiciaires et autres, il aura des modifications. Certains doivent être faits. Il dit, donnera le pouvoir à la nouvelle génération. Chers amis, il n'y a pas 2 jours, on vient de donner le pouvoir à la nouvelle génération. Donc c'est un homme de parole que je voudrais sincèrement saluer. De tout cœur, je voudrais sincèrement saluer. Saluer tous ces Ivoiriens qui ont travaillé à côté de lui, qui ont été avec lui, qui ont cru en lui, et ensemble, qui ont pris cette grande décision de choisir le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Chers amis, je vais vous dire certaines vérités. Je vais vous dire certaines vérités parce que c'est important pour nous, les Africains. C'est très important. Surtout pour l'Afrique et surtout pour notre développement. Je l'ai dit depuis longtemps que pour que l'Afrique avance, il faut faire la promotion des hommes compétents. Le développement de l'Afrique passera par des hommes, c'est-à-dire les hommes compétents. Si on fait la promotion des hommes compétents, alors on ira loin. Mais si on reste dans les émotions, dans le populisme et autres, on ne pourra jamais avancer. Dans ce pays, nous avons connu assez d'exemples de populistes, mais ça n'a pas été aux États. Et ça nous a toujours amené à connaître des retards sur des retards. La nomination du Premier ministre, le choix du Premier ministre, pardon, comme candidat du RHDP, je pense que c'est un choix de raison. Oui, c'est un choix de raison. Ça a été bien préparé, bien mûri, et ça nous a été exposé aux yeux du monde entier. Moi, je suis fier. Moi, je suis fier parce que c'est non seulement la volonté du chef de l'État, mais c'est la volonté de comment on appelle ça, la plupart des cadres de ce parti. C'est un très bon choix. Je connais l'homme. Nous allons parler de lui rapidement, brièvement. On va parler de sa biographie. Et je vais vous faire passer les intervenants pendant ce grand discours. Le ministre Ahmed Bakayoko, qui a fait un grand discours. Je vais saluer Patrick Hachi, qui a fait un grand discours. Je vais saluer le ministre Adjumani, le grand porte-parole, qui a fait un grand discours. Le président de l'Assemblée nationale et tous les autres qui ont fait vraiment un excellent discours. Surtout le discours du ministre Ahmed Bakayoko et tous les autres. Alors, chers amis, je suis là, je suis comme un soldat. Moi, je suis un soldat. Je suis comme un fidèle dans une église ou dans une mosquée. Quand l'imam dit c'est comme ça, c'est ce que nous on va faire. C'est-à-dire quand le général ou le capitaine du bateau dit c'est comme ça, c'est ce que nous on doit faire. Le choix est fait, on va maintenant se mettre au travail. Nous, on est déjà au travail. Hein. Moi, je viens de mettre en place rapidement. Le mouvement que nous avons dénommé Nouvelle Génération Consciente 2020, que mes amis et moi, nous allons présenter à la presse.
C'est un mouvement rien que pour les élections présidentielles de 2020. C'est-à-dire, nous, on a déjà dit au premier tour, nous, ça sera plus de 60%. Et ce n'est pas un débat. On a confiance en nous, on croit en nous, et on peut atteindre ce résultat parce que nous avons tous les moyens, nous avons un bilan. Nous, nous avons un bilan. Donc, on est fiers, on n'a pas de problème. C'est ceux qui sont en face là, ceux qui n'ont pas de bilan. Eux, ils ont gouverné ce pays, ils n'ont rien apporté, ils n'ont que des caprices, ils n'ont que des souvenirs. Ils sont toujours dans leur passé. Mais nous, là, c'est la réalité. Pour nous, on touche ça du doigt. Les ponts, les routes, les échangeurs, les hôpitaux, les villages électrifiés, tout ça, c'est un bilan. C'est comme ça que les Occidentaux fonctionnent. Eux, là, c'est le bilan qu'on regarde. On ne regarde pas Bédi, on ne regarde pas Soro, on ne regarde pas ceci. Non, chers amis, le débat sur la succession là, a pris fin. Il n'y a plus de débat. Le président Ouattara et les cadres du RHDP ont décidé. Ils ont dit que c'est le premier ministre Amadou Koulibaly. Depuis le début, je vous ai dit, Mazazou, j'étais toujours clair avec vous. Je vais mettre le son. Parce qu'il y a des gens qui disent, Zassou, on n'attend pas. Depuis le début, là, moi, je vous ai dit que ces gens qui font les rébellions, les coups d'État, là, ils ne peuvent pas diriger nos pays. Parce que la Côte d'Ivoire, là, c'est un grand pays. C'est un grand pays avec des réalités énormes. Oui, c'est un grand pays qu'Oufoué a bâti avec son intelligence. Aujourd'hui, là, ceux qui doivent continuer l'œuvre d'Oufoué, c'est le président Ouattara. Maintenant, le président Ouattara, il est parti, dans peu de temps, il s'en va. Il va maintenant mettre, il a mis quelqu'un, lui et ses amis ont mis quelqu'un, c'est-à-dire le patron de leur équipe, Amadou Koulibaly, qui va continuer le travail du président Ouattara. Voilà comment aujourd'hui les grands pays fonctionnent. Ça n'a rien à voir avec les émotions, les passions. Donc on va commencer, chers amis, on va commencer rapidement. On commence d'abord, nous on ne force pas. Alors moi je partage, voilà, moi je partage, alors vous aussi vous partagez, voilà, chacun de nous partage, chacun fait sa part quoi, voilà, moi je partage, vous aussi vous partagez, voilà, vous aussi vous partagez, ok, merci. Alors on va d'abord commencer par parler du premier ministre, mais avant ça, je vais me laver les mains, tu sais, à cause du coronavirus, et le chef de l'État déjà à lancer un appel aux Ivoiriens. C'est par ça qu'on va commencer. Moi, j'ai payé pour moi, j'ai ça. Toujours partout où je passe, partout où je vais, j'ai ça, toujours dans mon sac. Moi, je ne salue plus comme ça. Non. Nous, on ne salue plus comme ça. Voilà. Quand j'ai fini, partout où je vais, où j'ai pour moi, je mets dans ma main. À cause de quoi on dit, c'est les mesures d'hygiène. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas fermer les frontières, ce n'est pas tout ça. Si on a respecté les mesures d'hygiène, là, c'est fini. C'est fini. Tu vas passer par frontière, tu vas fermer frontière, d'autres personnes vont passer là-bas, ils vont rentrer dans le pays-là. Donc, respectons les mesures d'hygiène. Et c'est ce que le chef de l'État a dit. Voilà ce que le président Ouattara nous dit, le président de la République. Voilà son message qu'il nous envoie. Et je lis le message du président de la République. Partagez, hein, les amis, partagez, mais on va parler. Voilà. Ça, c'est sur le poste du président de la République. Voilà, notre chef de l'État. Lui qui a passé le pouvoir, le flambeau, à la nouvelle génération. Après le 30, vous allez voir que la succession va bien se passer. C'est-à-dire qu'il va prendre le truc maintenant et puis il va remettre ça au premier ministre Amadou Koulibaly. Ce sera la première fois dans l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'un chef d'État sortant, c'est-à-dire le président qui s'en va là, il va donner maintenant le pouvoir à l'autre. C'est nous, on va réaliser ça. Nous, le RHDP, nous, on va faire ça. Chers amis, c'est un grand défi. Nous, on va faire ça.
Nous, là, vous avez dit depuis le début, c'est bouclé, c'est géré. Parce que nous, là, on sait ce qu'on connaît, c'est que l'importance d'un pouvoir d'État. On sait ce qu'on appelle un pouvoir d'État. Nous, on ne joue pas un pouvoir. Cher ami, on vous a dit, c'est bouclé. Voilà. Donc, voilà ce que le chef de l'État a dit, notre président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Il dit, chers compatriotes, face à la pandémie du coronavirus COVID-19, adoptons les bonnes pratiques et mettons en application les mesures de prévention recommandées par le ministère de la Santé et l'OMS. Se laver fréquemment, voilà, ça dit, on se lave les mains avec du savon, vous voyez, non? Moi, j'ai payé pour moi. Moi, j'ai payé pour moi. Nous, on ne fasse pas, j'ai payé pour moi. Voilà, donc, on va se laver les mains soigneusement et avec du savon, une solution hydro. Voilà, alcoolique, ça, c'est hydro, voilà. C'est ça qu'on appelle hydro, voilà. Donc, la paix pour vous, ayez pour vous. Ça vous protège, ça protège vos enfants, vos familles, vos voisins, tout le monde. Voilà, on ne salue plus maintenant à tousser. Quand tu tousses et puis tu éternues, il faut faire comme ça. Tu sais, voilà, c'est comme ça que ça se fait. Vous avez vu, non, voilà, on finit pas et puis on met la main, non, c'est comme ça. C'est le coude, là, c'est ici. Alors, c'est qu'on a le président de la République qui nous dit « saluer sans se serrer la main ». Oui, on n'est pas obligé. Comment tu vas, ça va, mon ami, on peut faire comme ça. Les petits gestes, on n'est pas obligé de se serrer la main. Non, ça, c'est une mesure très... C'est ce qu'on appelle des mesures, voilà, préventives, pour éviter. C'est pas... Après, quand ça va passer, vous allez voir qu'on va saluer. Les Chinois ont déjà trouvé les remèdes, ils sont déjà en Italie. Voilà, c'est une maladie qui est venue, mais des solutions sont en train d'être trouvées. Maintenant, à nous de prendre conscience et puis véritablement faire ce que le chef de l'État nous demande. C'est l'application, le respect, le strict respect de ce qu'on dit. Le reste, là, c'est fini, il n'y a plus d'autre débat. Donc, le chef de l'État dit on peut se saluer sans se serrer la main, éviter les embrasses. Voilà, bisous, là, tout ça, c'est terminé. Maintenant, il n'y a plus de bisous, il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela. Non. On se salue, on fait comme ça. Voilà, et puis on peut se saluer les pieds, tu lances ton pied, je lance mon... Et puis voilà, tout ça c'est pour notre santé. Il y a eu plus de 3000 morts. On est même à plus de 5000 morts en France aujourd'hui, en Chine, en France, partout dans le monde. C'est élevé, donc on ne doit pas jouer avec ça, chers amis. Voilà, ne prenons pas ça pour la comédie, parce que c'est un virus qui est très dangereux. C'est un virus qui est très dangereux. Ça tente de créer des orphelins partout. Donc, évitez au maximum les rassemblements, voilà. Voilà, les meetings, les quoi, tout ça, là, tout ça, on va un peu éviter ça. On va rester un peu à la maison. Le président dit, je présiderai ce lundi 16 mars un conseil national de sécurité sur le coronavirus. Donc, l'État de Côte d'Ivoire va prendre des mesures encore pour... Alors, donc, chers amis, voilà pour moi, j'ai pour moi. Moi, je me promène avec ça. Voilà. Sous le président Ouattara, c'est des mesures qu'on prend. Sécurité, tout. Mais sur son pouvoir, on ne joue pas. Donc voilà pour moi, je me promène avec. Alors on va commencer d'abord par le discours, chers amis, comme je vous l'ai dit. Aujourd'hui, le débat est clos. Il n'y a plus de débat. La succession du président Ouattara, c'est fait. Il n'y a plus de débat. Notre candidat aux élections présidentielles en 2020, Samadou Gon Coulibaly. Je vais parler d'abord de lui. Je l'avais fait déjà dans une vidéo. Partager la vidéo, envoyer ça à tout le monde. Certains pensaient que... Au début, c'est Soro et son camp qui ont parlé de succession. Moi, je vous ai dit que Soro, c'est un chef rebelle. Soro a déjà gouverné ce pays. Il a une partie du territoire national. Il a gouverné 60%. Il n'a pas une bonne image. Il est impliqué dans les coups d'État au Burkina, partout. Sa mère est sale. Ce n'est pas Soro, un fessis, qui n'a rien apporté à ce pays, qui a passé tout son temps à faire palabre. Ce n'est pas Soro qu'on va prendre. C'est-à-dire, nous, les assos, les plus anti Soro, il faut gouverner notre pays quand même. Soyons sérieux quand même. Soyons sérieux. Macron est président d'une grande France parce que Macron est background. Ah oui, ils savent, ils l'ont préparé. Aujourd'hui, les générations, ça se prépare. Aux États-Unis, on a mis Donald Trump. Pourquoi on a mis Trump? Mais Trump, là, son papa, là. Ça dit, Trump, là, il a su, ça dit que lui, il a su sur un système financier. Il est très puissant, il est dans l'immobilier. Non, on dit, petit, viens, tu vas diriger les États-Unis. On lui a confié les États-Unis, Thomas, le président. Vous voyez ce qu'il est en train de faire des merveilles. Non, on ne choisit plus les gens par émotion. Comme j'ai créé rébellion, j'ai tué les gens, j'ai fait ceci, je vais devenir président. Tout ça, ça désire. Ça c'est de vieilles mentalités. C'est de vieilles mentalités. Le monde a changé. Les choses ont évolué. Voilà, les choses ont évolué. On n'est plus à ce stade. Voilà. Donc, Soro, lui, va se retrouver devant la justice. Le temps de répondre à certaines choses.
Alors, nous allons parler de notre Premier ministre d'abord. Avant qu'on ne parle, parce que j'ai entendu certaines personnes dire des choses, il faut qu'on doit leur donner une réponse. Parce que nous, on a les arguments. Alors, qui est Amadou Gon Coulibaly? J'ai entendu des gens dire Amadou Gon Coulibaly est mal parti, ceci, cela, mais nous, on va vous parler. Quelqu'un depuis le Premier ministre, depuis qu'il est Premier ministre, le pays est serein. Depuis 2017, quand on l'a mis à la tête de la primature, tout se passe bien. Tout se passe bien. Voilà. Donc, chers amis, on va parler de notre Premier ministre d'abord, qui est Amadou Gon Coulibaly. Voilà. Amadou Gon Coulibaly est le chef du gouvernement. Il est ministre du budget et du portefeuille de l'État. Amadou Gon Coulibaly est né le 10 janvier 1959 à Abidjan, Côte d'Ivoire. Il est père de 5 enfants. Père de 5 enfants. Carrière professionnelle bien remplie. Hein? Carrière professionnelle bien remplie. Et je répète toujours qu'aujourd'hui, ceux qui dirigent le monde là, ce n'est pas les fessis, ce n'est pas les voyous, ce n'est pas les délinquants, parce que c'est la vie de toute une nation qu'on met dans ta main. C'est-à-dire, nous, notre destin, nos villes. Donc, on te regarde bien. Voilà, moi, ça, je suis là. Est-ce que moi, je peux me lever pour dire que je vais être président de la République? Moi, je ne peux jamais dire ça. Parce que chacun a sa place. Chacun doit rester à sa place. Moi, je suis là pour sensibiliser les Ivoiriens, pour leur dire, voilà la personne qui peut diriger ce pays. Je suis là pour dire aux Ivoiriens, au monde entier, surtout aux Africains, que voilà comment il faut se comporter quand on veut se développer. Non, chers amis, carrière professionnelle. 10 février, parce que c'est ça qui va faire la campagne présidentielle. C'est ça, là. C'est pas à faire de dire, il a été chef rebelle, il a fait ceci, il a fait cela. C'est pas comme un bêtier. Jusqu'à présent, on ne sait même pas. On parle de coronavirus. Ici, là, quand on parle des problèmes financiers, on n'a jamais vu bêtier qui dit qu'il a été économiste. Bêtier n'a jamais parlé des sujets. Quand on dit économie, là, on n'a jamais entendu bêtier parler. Eux-mêmes, ils sont là. Attends-moi, pas de coronavirus. Je n'ai pas encore entendu Djikawie. Je n'ai pas encore entendu Assouadou. Ils ne se prononcent jamais. Tous leurs problèmes, vos médecins que vous glorifiez tant, on dit il y a coronavirus. Moi, je ne les entends pas parler. Ils ont tous disparu. Ils sont dans les meetings. Alors qu'on dit il y a coronavirus, mais ils doivent venir se prononcer. Ils doivent venir se prononcer. Donc, on continue. Il est né le 10 janvier. Il est carrière professionnelle, 10 février 2017. Au 9 juillet 2018, le Premier ministre et chef du gouvernement. Depuis le 10 juillet 2018, il est Premier ministre, chef du gouvernement, ministre du budget et ministre du portefeuille de l'État. C'est lui qui a notre portefeuille à main. Lui, là, ce truc-là, c'est comme ça. Lui, pour lui, là, c'est clair. Ça dit que lui, je vous ai dit qu'il ne doit personne. Parce que lui, il vient d'une famille stable, moderne. Donc, lui, il n'a pas de frère. Une famille modeste, il n'a pas de problème. C'est les hommes comme ça, on met au pouvoir en Europe, dans les pays des Blancs. Là. C'est eux, on met là, au pouvoir. Donc ici, le président Ouattara, le RHDP vient de nous libérer. Il est ministre du budget. 10 mars, il a été ministre d'État en janvier 2017. 12 mars 2012 à janvier 2017, il était ministre d'État. N'importe qui n'est pas ministre d'État. Et secrétaire général. Ministre d'État et secrétaire général de notre présidence. Amadou Gon Coulibaly a été encore en juin 2011 à mars 2012, il a été secrétaire général de la présidence. De mars 2003 à février 2005, il a été ministre d'État, ministre de l'agriculture et du gouvernement dans le gouvernement. Là, j'ai été dans son bureau. Quand il était ministre de l'agriculture, là, ça, je partais dans son bureau. Donc, ça, j'étais là-bas, je sais comment il travaille. Voilà. En tout cas, c'est un grand ministre. Hein. C'est une personnalité très, très importante. Et moi, je suis très content. Je suis très content qu'il ait été le choix. Donc, on continue. De 2006 à 2010, il a été directeur de cabinet de ICEF International, de conseil d'études et de formation. Conseil d'études et de formation. On continue. Janvier 1994 à décembre 1995, c'est-à-dire qu'on sort de 2000, on commence, hein, on commence jusqu'on vient en bas. Voilà, on commence en haut et puis on descend. Voilà. Amadou Gon Coulibaly a été directeur général adjoint
à la direction et contrôle des grands travaux. Les grands travaux. Vous voyez les ponts, les échangeurs là. Depuis longtemps, lui, il était déjà dedans. C'est pour ça que vous voyez les routes là. On a les routes partout. C'est-à-dire que c'est son inspiration, c'est son travail. Non, ce n'est pas un hasard, quoi. En novembre 90, de novembre 90 à décembre 1993, il a été conseiller technique du premier ministre. Ce n'est pas n'importe quel premier ministre, du premier ministre Alassane Ouattara. Lui qui a été directeur général adjoint au Fonds monétaire international. Il a été son conseiller technique. Oh, et les Africains, on a beaucoup à apprendre. Hein? On continue. De la mise en œuvre des politiques dans les secteurs de l'agriculture, des transports, de l'énergie et des ressources humaines, éducation, santé. Ça, c'est Gon Coulibaly. Ça, c'est Gon Coulibaly. Il continue. Et des entreprises publiques, encore des entreprises publiques, des grands travaux, des projets d'investissement, programmes routiers, projet d'énergie, tout ce que vous voyez, les barrages, les quoi là, Amadou Gon Coulibaly, il a fini ça. Ça, c'est son papier qui l'a fait. C'est son papier qui l'a fait. Ce qui est au contraire à votre Soro. Cursus scolaire et universitaire. De 93, il est diplômé de chaque centre de hautes études de construction à Paris. Centre de hautes études de construction en France à Paris. Il est ingénieur des ETP, École des Travaux Publics. Il est ingénieur des ETP, École des Travaux Publics en France. Je parle de Gon Coulibaly. Hein? Je parle de Gon Coulibaly parce que ce que je suis en train de dire là, je sais pourquoi je dis ça, parce que je sais ce que je vais vous dire tout à l'heure. Voilà, et puis on va sortir des émotions pour passer à autre chose. On continue. Il a fait l'école, la classe préparatoire aux grandes écoles, lycée Jean-Baptiste à Paris. Il a tout fait à Paris, la plupart. Hein. En 1977, il a eu le bac, C, série C, lycée moderne de Dabou. Maintenant, carrière politique, mandat électif, il a été maire de Korogo en 2001, de 2001 à 2018. De 1995 à 1999, il a été encore député à l'Assemblée nationale au sein de son parti, le RDR. En septembre, il a été premier vice-président du RDR, secrétaire général délégué. En 2017, il a été secrétaire général adjoint, secrétaire chargé du développement économique. Ça, c'est de 1995 à 1999, secrétaire national chargé du développement économique. Chers amis, en tout cas, c'est le las. Je pense que ceux qui ont fait le choix, je voudrais encore les féliciter. Merci d'abord au chef de l'État pour votre inspiration. Ouais, c'est une inspiration de Dieu. C'est une inspiration divine. En tout cas, félicitations à vous. Félicitations, surtout félicitations au cadre du RHDP. Je salue tout le monde. Voilà, je salue tout le monde pour l'excellent travail. Gon Coulibaly n'a pas été imposé. C'est un choix. C'est un très, très bon choix. C'est un très, très... Tout le monde ne peut pas être candidat. Tout le monde ne peut pas être président. Et dans tous les grands systèmes du monde, quand tu veux choisir quelqu'un, c'est-à-dire quand tu t'es battu, tu as eu un passé difficile et que tu as construit quelque chose là, avant de partir, il faut donner à celui qui a confiance. C'est-à-dire, on n'a qu'à arrêter les comédies, les émotions. Non. C'est-à-dire, vous, le RHDP, le RDR, vous là, vous-même, vous connaissez votre passé. On sait ce que beaucoup d'entre vous ont vécu. Ce combat-là, vous l'avez mené pendant des années. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Regardez l'excellent travail que vous avez abattu. Avec, comme on appelle ça, le sommet Europe-Afrique que le président Ouattara a organisé. Tous ces investisseurs, ces hommes d'affaires. Une élection, ce n'est pas seulement que les militants qui votent, non. Une élection, ça regroupe beaucoup de choses. Ce sont les hommes d'affaires, ce sont les investisseurs, ce sont les hôtels. Mais c'est tout ça qui compte. Hein. Ça n'a rien à voir seulement avec... On va aller insulter, faire les meetings pour insulter. Ce n'est pas de ça, c'est de grands enjeux. Voilà, aujourd'hui, la France a plus de 1000 entreprises en Côte d'Ivoire. Les gens ont beaucoup investi dans ce pays. Non, on tient compte de tout ça. Ce n'est pas de l'abusement. Voilà, chers amis. Donc, voilà un peu le débat. Voilà un peu le débat, chers amis. Voilà un peu le débat. Quand tu as trop souffert et que tu as construit quelque chose, avant de partir là, il faut confier ça à celui qui peut garantir ce que tu as fait. Celui qui peut protéger les acquis,
C'est lui-là que vous, de façon sage, vous devez vous asseoir pour le soutenir. Faire un bloc autour de lui et l'accompagner dans sa mission. Parce que je vais revenir dessus, j'attendis les gens qui parlent, qui disent des choses, je les regarde. Mais de la même manière que vous pensez, ce n'est pas comme ça les Occidentaux pensaient. Ils ont mis Macron. Ce n'est pas parce que Macron était ceci, Macron. Non, non, non. Parce qu'ils ont vu que le petit, là, si on lui confie, là, les choses seront comme ça. Si on confie le pays à Trump, les choses seront comme ça. Si on confie à Poutine, les choses seront comme ça. Donc, c'est comme ça qu'on va avancer. Parce que ce pays a trop souffert. Oufou a fait les mêmes erreurs. L'erreur de Félix Oufou-Boigny, que je ne condamne pas parce que le vieux est déjà parti, il a travaillé. Moi, je salue son travail. Mais il a mal préparé sa succession. La succession de Félix Oufou-Boigny a été tellement mal préparée et que ça nous a été une catastrophe pour nous tous. Si on arrivait à des guerres, à des rébellions, à des coups d'État, c'est parce que celui qu'on voulait nous a confié n'était pas véritablement prêt. Il n'était pas prêt, c'est par émotion qu'on l'a mis. C'est comme ça qu'on a mis Bédier. Mais vous-même, vous avez vu la suite. Aujourd'hui, Amadou Gon Coulibaly est prêt. Il est prêt, c'est pas un débat. Il est prêt, c'est pas un débat. Il va gouverner ce pays avec dignité. Je l'ai dit hier à quelqu'un. J'ai dit quand Senghor partait, il a préparé Abdou Diouf. Et les gens, quand il a commencé à dire, ah, Abdou Diouf sera mon successeur, il y a déjà, ah non, il n'est pas populaire, il n'est pas ceci, comme si la popularité là, c'est ça qui faisait un bon président. Mais aujourd'hui, Abdou Diouf a été un bon président pour la France et pour le Sénégal. Abdou Diouf a été un bon président pour le Sénégal. Un leader qu'on choisit, qui est rigoureux, qui travaille, qui est compétent. Le premier ministre là, son seul problème, parce que lui, il travaille. Ceux qui sont en face là n'aiment pas les travailleurs. Ceux qui sont opposants là, eux, ils aiment les amusements, faire les meetings, danser, exploiter la jeunesse, instrumentaliser la jeunesse. Donc, choisir un premier ministre qui bosse là, eux, ça les gêne. C'est ça que vous devez comprendre. C'est ça qui est le combat du PDC, parce qu'eux, ils veulent rester dans leur même système. Le vieux système là. Le vieux système où ils font du n'importe quoi. Et la Côte d'Ivoire doit être sauvée dans leurs mains. On doit prendre les richesses du pays, on va leur donner, ils vont se promener, ils vont être contents. C'est ça, et ils veulent. Le premier ministre Gon Coulibaly dit non, lui n'est pas dans ça. Et c'est ça l'esprit du président Ouattara. On va prendre l'argent du pays pour travailler pour tous les Ivoiriens. Comme on travaille pour nous tous, c'est les emplois. C'est les ponts, les routes, les échangeurs. Tout ça, ça nous profite de nous tous. On ne peut plus prendre l'argent du pays pour aller donner à Bédié, développer Daoukrosse. On va donner à Soro, il va se promener, il va financer les fracas Niamsi, il va venir nous insulter, il va aller recruter les gens pour venir insulter la Côte d'Ivoire. On dit on n'est plus dans ça. C'est tout ça que nous sommes en train de corriger. C'est le sens du choix qu'on a porté sur la personne du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Le travail ou rien. Il n'y a que le travail qui peut faire avancer l'Afrique. Il n'y a que le travail qui peut relever la dignité des Africains. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Ici, on a connu Gbagbo. On dit Gbagbo est populaire, mais il n'a même pas été capable. C'est-à-dire, nous là, il ne nous a même pas défendu. Gbagbo était là, et puis la Côte d'Ivoire a été attaquée. Gbagbo était là, et les gens ont bloqué la Côte d'Ivoire pendant des années. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut aujourd'hui enlever dans la mentalité des Africains. Parce que c'est ça le vrai problème des Africains. Ils aiment, c'est-à-dire, ils ne savent pas faire les choix. Ils aiment les gens. Les gens ne sont pas au pouvoir pour que vous les aimiez. Je suis désolé pour vous. Les gens ne sont pas au pouvoir pour être aimés, ils sont déjà aimés, ils ont leur famille, ils ont leur femme, ils ont leurs enfants. Quand les gens viennent au pouvoir, c'est pour nous protéger. Créer les conditions de sécurité, empêcher les coups d'État, mater les coups d'État, mater les rébellions, faire les routes, les ponts, les échangeurs, électrifier les villages. C'est ce que Gon Coulibaly est en train de faire. C'est ce qu'on appelle des ministres d'État. Ils connaissent l'importance de l'État. Regardez aujourd'hui en Russie. Regardez en Russie. Regardez dans les grands pays. Il faut que les Africains sortent des émotions. Il faut sortir des émotions. Il faut ouvrir les yeux. Les yeux. Donc, on va commencer. Alors, premier discours. Votre patriotisme, où sont-ils? Ceux qui nous ont dit que vous alliez transférer la richesse du pays ailleurs. Des ponts construits, des hôpitaux, des écoles, des universités. C'est bien ici en Côte d'Ivoire et au bénéfice des Ivoiriens. Où sont-ils ceux qui nous ont dit que vous proposiez une nouvelle constitution pour faire un troisième mandat? Où sont-ils?
tous ceux qui ont dit que votre programme économique n'était pas réalisable. Votre bilan les confond. Monsieur le Président, dans ce pays, certains de nos compatriotes ont trop menti sur vous. Ont été trop méchants avec vous. Ils ont incendié votre résidence, essayé de vous tuer. Beaucoup de vos proches et partisans ont été torturés. Et certains même ont perdu la vie. Ils sont allés jusqu'à profaner la tombe de votre maman, Hadja Nabintou Cissé. Malgré tout, vous avez pardonné pour l'amour du pays. Aujourd'hui, c'est vous le chef, le président. Et à aucun moment, vous n'avez songé à une quelconque vengeance. Bravo. Alors, chers amis, j'ai fait passer ça parce que c'est important pour chacun d'entre vous. Le ministre Ahmed Bakayoko a tout dit. Il a tout dit. C'est pour ça que tout à l'heure, je vais parler à certains Ivoiriens et je vais parler aux militants et aux sympathisants du RHDP. Parce que quand moi, je suis déjà debout et moi, je suis déjà sur le terrain. Nous, on n'a pas de problème. On va parler aux gens parce que dans la vie, là, il faut souvent tenir compte de son passé pour mieux construire non seulement le présent, mais le futur. On ne doit pas oublier ce qui s'est passé. On ne doit pas se laisser distraire. On ne doit pas se laisser manipuler. Le parti a choisi. Le président a choisi. Les cadres du parti ont choisi. Nous, on n'a pas le choix. On doit s'aligner. On doit s'aligner. On doit se battre pour que le premier ministre Gon Coulibaly soit président en 2020. Et 2020, je l'ai dit, je le répète,
on va gagner. On va gagner. Parce que nous, on est bilan. Ça sera bilan contre bilan. Ce n'est pas débat. Les mentalités ont changé. Ce n'est pas danser sans insulter, faire ceci. Non, c'est bilan contre bilan. On va à la deuxième réaction. Le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Chers amis, Ahmed Bakayoko l'a dit, le président Ouattara l'a dit. Quand Gon Coulibaly prenait la primature, on avait une mutinerie à Boaké. On avait des grèves, des soulèvements, l'opposition qui manipulait des syndicats étudiantins, l'opposition des individus qui préparaient des coups d'État, qui cherchaient à déstabiliser le Burkina pour faire leur base arrière, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. La tentative de coup d'État de Boaké, où des gens ont été manipulés. Tout ça, c'est dans cette période que le premier ministre a fait. Mais quand il a pris la primature, qu'est-ce qui s'est passé? Depuis qu'il a la primature, vous-même, vous avez vu que les choses se sont calmées. C'est ça les grands hommes. Quand on a choisi Poutine, quand Boris Eltsine a choisi Poutine, c'est pas par hasard. Hein? Ah non! Quand on a mis Macron, on l'a mis en France, c'est pas par hasard. Hein? Ça dit quand il y a des difficultés à certains moments donnés dans notre société, quand on te choisit et que tu viens, tu canalises les choses. Et une fois que tu arrives à canaliser par ta rigueur, ta fermeté, tu deviens un grand président. Ce n'est pas une question d'émotion. C'est ça qu'on appelle le grand président. Contrairement à Laurent Gbagbo, qui n'a pas, et la fille Nguessan. Parce que souvent, je vois des gens qui veulent comparer Afi à Gon Coulibaly. Non, c'est une grave erreur. Afi était premier ministre dans ce pays. Quand la Côte d'Ivoire a connu le coup d'État et la rébellion, le coup d'État qui s'est transformé en une rébellion, ça c'était sous feu à Afi Nguessan. Non, on ne peut pas comparer Afi à Gon. Non. Quel exploit Afi a fait? Non, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de mentir à vos parents. Arrêtez de mentir à vos sympathisants. Apprenez vos militants à comprendre le fonctionnement, les grands enjeux de ce monde entier, de ce monde d'aujourd'hui. Arrêtez de mentir. Évitez de comparer Afi à Gon. On a donné combien de temps on a donné la Côte d'Ivoire à vie? La Côte d'Ivoire, on n'a jamais, même on n'a pas réunifié le pays. On n'a même pas réunifié le pays. Gon, il est exceptionnel. C'est un bosseur, c'est un travailleur. Il est rigoureux. Et c'est de ce genre de personnes que l'Afrique a besoin. C'est ce genre de personnes que la Côte d'Ivoire a besoin. Ce genre de personnes dont notre génération. C'est ceux-là que nous, on doit soutenir. C'est leur promotion qu'on doit faire. Nous, là, on doit former bloc autour d'eux. Nous, on ne doit pas les lâcher. Parce que demain, quand ils vont partir, ils vont nous laisser un pays stable. Chers amis, lui-même, il a parlé, le premier ministre. Avancé depuis 2011 à aujourd'hui,
sous le leadership du président Alassane Ouattara, qui décide de transmettre ce pouvoir à une jeune génération. Le peuple de Côte d'Ivoire ne nous pardonnera jamais s'il y avait un recul dans notre pays, de notre fait, pour quelque raison que ce soit. Merci, monsieur le Premier ministre. Merci beaucoup, monsieur le Premier ministre. Chers amis, c'est tout ce que moi j'avais à vous dire. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Amadou Gon Coulibaly est le candidat du RHDP en 2020. C'est un homme compétent, rigoureux, un grand bosseur. Il est dans l'esprit du président Alassane Ouattara. Maintenant, ceux qui sont dans leur maison, c'est-à-dire les vrais militants, c'est-à-dire ceux qui ont souffert, vous qui avez mené le combat, c'est-à-dire les Ivoiriens consciencieux, responsables, qui aiment la Côte d'Ivoire, qui veulent que la Côte d'Ivoire soit un grand pays, maintenant chacun de nous là, va maintenant préparer ses cartes d'identité. Ceux qui n'ont pas encore leur carte d'identité, là, allez-y faire vos cartes d'identité. Allez-y faire vos cartes d'identité. Préparez-vous maintenant à porter vos culottes, vos lesquelles, parce que la campagne qu'on va battre là, ça va avoir plus de 60%. Je vous ai dit, on va se comporter comme les fidèles dans les mosquées, les fidèles dans les églises, parce que ça sera une campagne exceptionnelle. Alors, préparez-vous maintenant parce qu'on fera de notre Premier ministre le président de la République. Amadou Gon Coulibaly, président de la République, c'est protéger les acquis. Pour ceux qui ont été les vrais militants, les vrais Ivoiriens qui ont connu la souffrance de ce pays et qui veulent vraiment que ce pays soit stable, vous devez maintenant rentrer au plus profond de vous-même et puis vous mettre au travail. Allez-y partout, dites aux gens que maintenant on a notre candidat. Ce qu'on doit faire maintenant, là, c'est laisser leur rond au bout. Nous, on n'est plus dedans. On doit former un bloc autour de lui. Et je voudrais profiter pour parler à certains cadres, à certaines personnalités, leur dire, on n'a pas le choix. Ce pouvoir-là, Dieu vous a donné ce pouvoir. C'est ce même Dieu qui a voulu que la sagesse vous a mis pour choisir Amadou Gon Coulibaly, candidat aux élections présidentielles. Arrêtez de jouer le jeu de ceux qui ont échoué. Parce que je vois sur les réseaux sociaux, on dit non, lui il est fâché, lui il est ceci, ils ont fâché par rapport à quoi? Si le président de la République lui-même dit qu'il est pour Gon, mais il a beaucoup réfléchi. Il sait pourquoi il l'a choisi. On n'aime pas la Côte d'Ivoire que le président de la République. Vous savez combien de fois le président de la République a investi dans ce pays? Mais s'il a fait le choix du Premier ministre Amadou Gon, c'est parce qu'il est convaincu que quand il ne sera pas là, on ne sait jamais, le pays là restera stable. Le pays là restera stable parce qu'il le connaît. Donc chacun de nous doit maintenant se préparer à relever le grand défi. Et ce grand défi là va se relever dans les urnes. C'est dans les urnes qu'on va mettre le paquet. On n'a pas intérêt à perdre ce pouvoir. Si on joue avec le pouvoir et que ceux-là, ils ont pris là, nos routes-là, vous allez voir demain, ils vont partir chercher les machines pour aller enlever nos ponts, nos routes-là. Ils sont jaloux. Ils vont aller casser tout parce qu'eux, ils vont vouloir faire pour eux. Parce que c'est des jalousies. C'est des jaloux, pardon. Des grands jaloux. Donc, chers amis, préparez-vous. Là où on est, on n'a pas le choix. Chaque militant doit maintenant commencer dans sa base. Chaque sympathisant ivoirien, c'est-à-dire, je dis bien ivoirien consciencieux, qui veut que la Côte d'Ivoire devienne un grand pays comme le Sénégal, comme aujourd'hui, comme on appelle le Ghana, comme le Rwanda, comme les pays de l'Europe. Aujourd'hui, tu arrives en Côte d'Ivoire, on dirait que tu es en Europe. Il faut que la continuité là soit une réalité. Le président a fait sa part, c'est à nous de faire notre part. Il a déjà posé les jalons, les bases d'une société solide. C'est à nous de nous lever pour continuer le travail. Et la meilleure façon pour prouver au président Ouattara que nous, on est avec lui, qu'on l'aime là, c'est d'aller sur le terrain. On doit aller sur le terrain. On doit former un bloc. On doit sortir des petites divisions, les petits conflits, quoi. Ça, là, ça fragilise. Il faut sortir de ça. Il faut former un bloc. Ça sera mon discours quand je vais maintenant rentrer bientôt. Moi, je serai sur le terrain un peu de temps. Je serai sur le terrain. J'ai 6 mois, 7 mois de campagne. Il y a des gens qui disent on ne va pas modifier la Constitution. Allez-y leur dire que la Constitution, là, c'est déjà modifié.
allez-y dire à vos opposants que la Constitution est déjà modifiée. Parce que notre Constitution elle-même crée les conditions de sa modification. C'est vous qui avez voté hier cette Constitution. Et puis moi, ce que je ne comprends pas là, c'est les pro-Babo. Non, ne touche pas à notre Constitution. Toi, tu as boycotté dans le pays. Tu as passé tout ton temps à boycotter. Et c'est toi qui te plains, il ne faut pas en modifier la Constitution. Mais tu n'as pas voté, où est ton problème? Toi, tu n'as pas voté, on veut modifier notre Constitution que nous-mêmes on a voté. Et toi, tu te plains. Notre président dit il s'en va. Les pro-Babo sont fâchés. Les pro-Soros sont fâchés. Les pro-Bétiers sont fâchés. Il dit encore qu'il veut donner le pouvoir à la nouvelle génération. Les opposants sont fâchés. Bon, eux, ils ont quel problème? Le vieux dit, le président dit, je vais donner le pouvoir. Moi, j'ai travaillé, j'ai formé des gens. Ces gens-là, je vais faire une équipe, je vais mettre quelqu'un à la tête pour continuer mon travail. Il y a des gens qui sont fâchés. Ils ne veulent pas. Pourquoi? Parce que ce jour, ils font la promotion des vieilles personnes. Ils se débattent pour que Babo soit encore président, pour que Bétier soit président, et ce voyou de Soro soit président. Dans notre grand pays, la Côte d'Ivoire, ce n'est pas n'importe quel pays. Nous, on ne va pas tomber dans leur jeu. Et leur mentalité, là, nous, on ne va pas tomber dedans. Nous, on est des hommes modernes, on est des hommes civilisés. On est des hommes modernes, on est des hommes civilisés. Ceux qui sont en face, là, ils n'ont pas de projet de société, ils n'ont pas de programme de gouvernement. Ils ont dirigé ce pays. Depuis que le président parle de nouvelle génération, de leur côté, là, est-ce que vous les voyez parler? Ils sont muets. Ils font meeting. Non, on a qu'à les Ivoiriens n'ont qu'à aller, comme elle a dit là, allez-y envahir les centres d'enrôlement pour demander carte d'identité. On ne va pas donner carte d'identité à vos militants. Allez-y dire à soi, à tout que ça soit dit. On ne va pas financer carte d'identité de vos militants. C'est vos militants, prenez votre argent, donnez-les, ils vont aller faire leurs pièces. On ne vous donnera pas l'argent pour faire vos pièces. La pièce d'identité, là, c'est ton document, toi. Ce n'est pas quelqu'un qui va te donner l'argent pour ça. Voilà. Donc, chers amis, ne vous laissez pas distraire. Battez-vous, cherchez votre argent pour faire vos pièces. Pour ceux qui n'ont pas de pièces, j'ai dit bien les Ivoiriens qui vont voter. Moi, je ne suis pas dans ceux qui veulent s'amuser, qui sont là, c'est des molles. Aujourd'hui, le combat qu'on mène, là, c'est pour notre propre vie. Hein. Moi, je ne mène pas combat pour gérer l'émotion de quelqu'un. Sur la terre, on est venu un à un, et puis on retourne un à un. Si tu es venu sur la terre pour être mouton, tu resteras mouton. Ça dit que toi, si tu as choisi d'être mouton, tu resteras mouton. On est venu sur la terre pour devenir quelqu'un. On n'est pas venu sur la terre pour suivre les gens, applaudir les gens, être malheureux et puis se plaindre dedans. Non, ça c'est de l'ignorance notoire. C'est de l'ignorance notoire. C'est pour ça que bientôt la campagne qu'on va commencer, chers amis, moi je ne vais pas arriver dans les villes, villages pour caresser les gens. Moi, je viens conscientiser la jeunesse. Je viens parler à la jeunesse. Je viens réveiller les consciences. C'est ce travail que nous allons faire. Pas seulement que les jeunesses, parce que parmi nos intellectuels, encore, il y a beaucoup qui ont assez de retard. Tu n'as pas encore compris ce que c'est que la politique. Pour eux, la politique, c'est le tribalisme. La politique, ce sont les haines. Ce sont les injures. Mais qu'est-ce que le président Ouattara n'a pas connu? Malgré tout ce que vous avez fait, il est devenu président. Et il va préparer sa succession dignement. Il va préparer, il n'aura même pas de coup d'état ni de rébellion. Les choses vont tellement bien se passer. Parce que dans ce pays-là, il y a tout, il y a des caméras partout. Si tu as fait une bêtise, on va aller t'attraper dans ta maison. Si tu veux aller à Dabou, va te cacher où tu veux. On va t'attraper. On va t'attraper. Un excellent travail est actuellement battu dans notre pays. C'est ce travail-là que nous, on doit protéger. Ce travail-là, nous, on doit protéger, on ne va pas jouer avec ça. Parce que si on envoie demain les délinquants, les voyous, là, ils vont venir faire palabre ici. Ceux-là, c'est des jaloux. Eux-là, ils n'ont rien fait. Ils vont venir casser le truc. Toi-même, ça dit, toi, tu as souffert. Toute ta vie, tu as souffert. Tu as créé ton petit magasin. Tu as fait tes affaires. Tu t'occupes de ta femme et tes enfants. Lui, là-bas, il te regarde. Lui, il est jaloux. Il a une crise. Il va aller casser ce que toi, tu as fait. C'est ça leur comportement. Les pro-Soros, les pro, c'est ça leur vrai comportement. Ça dit, tout ce que nous, on est en train de faire, nos souffrances, ils vont venir, ils vont détruire ça. Mais nous, on ne va pas jouer le jeu. Ah non, moi, je ne peux pas souffrir et construire ma vie. Et puis toi, tu vas venir détruire ce que moi j'ai construit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Non, évitons de jouer le jeu des gens. Par naïveté ou par ignorance. Évitons de jouer. Il faut penser à soi-même. Pensez à votre vie. Le vote qu'on va faire, ça sera projet contre projet. Programme contre programme. Notre candidat, là, il est complet. Je vous ai fait sa biographie ici. Amadou Gon Coulibaly, là, il a les mains propres, il n'a pas les mains sales. C'est l'un des cadres dont moi-même, Sasso, je suis fier. Je suis fier. Il est le choix du président de la République.
Il a le choix d'Ahmed Bakayoko. Il a le choix de Patrick Hachi. Il a le choix de Kandia. Il a le choix de Abdoumani. Il a le choix des militants. Il a le choix des militants. Je l'ai dit dans tous les grands systèmes. Ce sont les leaders qui orientent la masse. Dans tous les grands systèmes, ce sont les leaders qui orientent la masse. J'ai remarqué que de l'autre côté, c'est la masse qui dirige Babo. C'est la masse qui dirige Bédier. C'est la matata. Depuis que Ouattara a parlé, est-ce que vous les avez entendus encore? Qui est leur candidat? Il ne faut que faire meeting pour insulter. Il ne faut que faire meeting pour appeler à la violence. On dit qui est votre candidat? Nous, on a préparé notre génération. Mais pour vous, là, c'est qui? Ils traînent, ils tournent parce qu'ils n'ont pas de bilan. Aujourd'hui, des gens qui ont boycotté pendant des années sont allés faire alliance avec Bédier. Des gens qui ont passé tout leur temps à faire boycott dans ce pays. Ils sont maintenant à Bédier. Tout ça, c'est pour distraire. Mais dites-leur que Zasso dit, il n'y aura pas de coup d'État. Il n'y aura pas de rébellion. Il n'y aura pas de mutinerie. Et ces élections vont très, très bien se passer. Parce que je les ai entendus à Port-Boué. Le coup à Justin et les autres, cette même mentalité, voilà des leaders de jeunesse. Mais quoi Justin, c'est un adulte. Nous sommes maintenant adultes. Ils disent encore, ils sont jeunes, là, ça a parti de choses à combien d'années. Il faut maintenant conscientiser ces enfants qui sont là, que vous avez abrutis pendant des années. Il faut penser à eux. Allez les mettre sur des espaces, toujours les mêmes discours guerriers. Les mêmes discours guerriers qui ne vous apportent rien. Des discours guerriers qui ne vous apportent rien. Et chaque jour, ça vous ridiculise. Moi, je ne peux pas soutenir des gens. Pendant 10 ans, j'ai marché, j'ai insulté, j'ai fait ceci, j'ai fait ceci, et puis rien n'avance. Et puis moi, je te soutiens dans ça. C'est que je ne suis pas intelligent. Je ne suis pas intelligent. C'est que moi-même, je ne suis pas intelligent. Même. Ça dit, dans ma tête, il n'y a rien. Ça dit, pendant 10 ans, tu as boycotté, tu as insulté, Babo va venir, Babo ne va pas venir. Et puis la situation est calme. Mais il faut te ressaisir. Ressaisissez-vous, venez, on va travailler pour le pays. Parce qu'il n'y a rien. Vous ne pouvez rien faire. Soro, là, il est verrouillé. Babo et Blé, là, et ils ne participeront pas aux élections. Moi, je vous ai déjà dit ça depuis le début. Parce qu'ils ont déjà eu leur bilan. Ça n'a pas marché. On ne peut plus les ramener à la Côte d'Ivoire. On ne peut plus les ramener au pouvoir d'État. Quand c'est Bédier, là, on connaît déjà son bilan. C'est 0-0. C'est 0-0. Notre pays nous coûte cher. Alors, chers amis, moi, je suis à votre disposition. Je suis à votre disposition. Je voudrais saluer Dolpic, mon ami Dolpic. Je suis à votre disposition. Chers amis jeunes, je parle des gens de ma génération. Moi, je suis à votre disposition. Dans les villages, partout, je suis prêt à ce qu'on s'asseye pour se parler. On va se parler. Nous, là, dans ce pays-là, qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On est insulté. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Mais, chers amis, il faut être de l'autre côté pour comprendre le monde. Il faut être de l'autre côté pour comprendre que le monde, là, le monde avance. Nous, on arrête ici. C'est-à-dire, suivre Bédier, Babo, Soro, c'est un retard. C'est un retard. C'est un retard. Parce que c'est des combats qui n'amènent nulle part, c'est le désordre. Ils veulent créer des systèmes où eux deviennent riches et vous, vous devenez pauvres. C'est ça leur problème, mais il faut sortir de ça. Il faut prendre conscience. Prenez conscience de vos vies. Prenez conscience de vos vies. Personne ne viendra vous forcer, mais c'est à vous-même d'ouvrir vos yeux à un certain moment donné. Nous, on ne fait que vous donner des conseils. Nous, on ne fait que nous, nous on vient dans des familles difficiles. Moi, avant, là. Nous, là, on a connu galère. Quand on dit galère, là, c'est nous. Mais aujourd'hui, là, je ne peux pas conseiller un jeune à soutenir Bédier, à soutenir Babo ou à soutenir Soro. Non. Parce que je suis un homme conscient responsable. Parce que moi, j'ai vu galère. Moi, j'ai vu galère. Voilà. Donc, je dois encourager la jeunesse à ouvrir les yeux sur ce qui est bon. Aujourd'hui, ce qui est bon, là, c'est le président Ouattara. Ce qui est bon, là, c'est le RHDP. On ne vous demande pas de venir mettre des trucs sur vous, des bouts pour dire vous êtes... Non, ce n'est pas ça. Ce qu'on vous demande, venez, on va s'associer. On va battre campagne. On va prouver au monde entier qu'on a grandi, que nous sommes matures et que nous voulons maintenant être des peuples libres. Nous voulons être une jeunesse libre. Nous voulons être des gens libres et cette liberté passe par le travail. Il faut mettre des hommes à la tête de ce pays qui vont créer les conditions pour que l'économie soit solide, pour qu'il ait l'emploi. Regardez aujourd'hui l'emploi jeune que Touré Mamadou lance. Aujourd'hui, là, beaucoup de jeunes sont contents. On leur donne des projets, on leur donne des financements.
Chaque jeune, aujourd'hui, après 18 ans, 20 ans, 25 ans, si tu n'as rien eu, tu as eu 30 ans, 40 ans, c'est une malédiction. À 40 ans, tu vis chez ton père. À 30 ans, tu vis chez ton père. Ça veut dire que c'est une malédiction. C'est pour ça qu'on doit maintenant se réveiller. On doit se réveiller pour encourager nos systèmes, les gens qui travaillent, à mieux travailler. On doit leur donner le pouvoir. Et ce pouvoir qu'on doit leur donner, c'est dans les urnes en 2020. Donc, chers amis, préparez-vous maintenant. Ça, ce sont les hostilités, c'est un début. Je vais accélérer les vidéos. Après les vidéos, nous allons faire, nous aurons des proximités. Nous, même à Abidjan, on va verrouiller. On va appeler tous ces leaders de jeunesse, on va se retrouver, on va se parler. On va se parler. Chacun va avoir son idée, on va échanger, parce que c'est ça qu'il faut aujourd'hui. S'asseoir et puis se parler. Chacun dit un peu, l'autre dit un peu, et puis on avance. Mais le temps de violence, injures, tata, ça c'est de l'ignorance. C'est-à-dire on est encore en retard, on est encore l'état brutal, l'état grégaire. C'est l'état grégaire au temps de nos ancêtres. Tu es jeune, tu n'as pas de situation, tu as 30 ans, 40 ans. Tu as même 50 ans et tu es assis là, ça ne te dit rien. Tu attends Bédien, tu attends Soro, tu attends Gbagbo, alors qu'ils ont déjà gouverné. Ils ont déjà gouverné. Ils ont déjà gouverné, ils ne reviendront plus. Regardez parmi eux là, il n'y a pas d'homme compétent. L'assaut à d'autres qui devait être maintenant à la retraite, c'est qu'ils sont encore sur la scène politique. Les Bédiens sont encore sur la scène politique. Là où le président Ouattara dit je donne le pouvoir à la nouvelle génération, l'assaut à d'autres continue encore de faire meeting. Mais c'est une honte, c'est grave. C'est grave et puis ça fait pitié. Alors, chers amis, en tout cas, la Constitution sera modifiée. Nous avons la majorité déjà à l'Assemblée nationale, donc ce n'est même pas un débat. Le président Ouattara, avant de partir, a décidé de prendre toutes les mesures. Il a décidé de prendre toutes les mesures et moi, je suis d'accord avec tout ce que le président Ouattara fait. Il veut nous laisser un pays stable. Il veut nous laisser un pays stable parce que c'est dans la stabilité que chacun gagne pour manger. Quand il n'y a pas stabilité, il n'y a pas développement. Il n'y a pas paix. Non, c'est ça qui est la vérité. La Constitution sera modifiée et les députés ont commencé. C'est pour ça que je salue le président de l'Assemblée nationale, Amadou Soumaoro, et je salue le sénateur, Aoussou Jallo, pour l'excellent travail et tous nos députés. En tout cas, continuez, allez-y vite, modifiez vite. On a la majorité, on a plus de 224 députés. Le Parlement, là, eux, ils ont boycotté. Nous, on a la majorité, donc nous, on n'a pas de problème. Donc, on va modifier la Constitution. Ils peuvent pleurer, ils peuvent sauter, c'est leur problème. Voilà. Avant, là, ils étaient contents. Aujourd'hui aussi, ils doivent pleurer, puis nous, on avance. Et ça, ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Ça nous a tous arrivé. Voilà. Hier, quand ils étaient au pouvoir, là, quand on parle, là, ils fermaient nos bouches. Ils disent, il ne faut pas nous en parler. Maintenant, nous, on va parler. Chers amis, ils ont boycotté pendant des années. Nous, on est bien positionnés. La Constitution sera modifiée. On ne donnera pas de carte d'identité à quelqu'un. L'État ne décédera pas de l'argent pour donner à Bédier ou à FPI pour aller, comme on appelle, leurs militants qui ont passé leur temps à casser les urnes ici, qui ont passé leur temps à insulter là. Nous, on va prendre l'argent de l'État pour vous donner pour faire vos cartes d'identité. On va vous apprendre à travailler. Vous, les pro-Soro, pro-Bédier, pro-Babo, on va vous apprendre. Les mentalités ont changé, les temps ont changé. Voilà, il n'y aura pas de cadre d'entrée gratuite ici. Pas, ne comptez même pas sur ça. Ils ne vont pas vous donner. Pendant des années, les gens ont joué avec vous. 10 ans de pouvoir, 10 ans d'amusement. Même dans l'opposition, vous êtes encore d'amusement. Mais qui va s'occuper de vos enfants? Les enfants que vous avez mis au monde, vos frères, vos cousins qui souffrent là, qui va s'occuper d'eux? Des pères de famille qui sont encore dans l'émotion. Hein? Moi, je vous ai déjà dit que Gbagbo là, il ne va pas participer aux élections. Soro là, lui, il va répondre devant la justice. On ne va pas le lâcher. Tout ce qu'il a fait là, tout est là. Il va répondre devant la justice. Ces rêves-là, ça ne va jamais se réaliser. C'est devant la justice qu'il va se retrouver. C'est pour ça qu'on va rendre les choses plus solides. La modification, là, il y a tout dedans. Pouvoir législatif, exécutif, judiciaire, tout. On va bien rendre ça fort. Là, dans ce pays-là, si tu as fait quelque chose, là, tu restes à la justice. On ne peut plus faire coup d'État. On ne peut plus faire mutinerie. On va maintenant développer le pays. Alors, chers amis, maintenant, ceux qui disent non, le Premier ministre n'est pas populaire. Est-ce que c'est pas de ça qu'il s'agit, chers amis. Le Premier ministre, là, il est populaire. C'est pas maintenant. Gon, là, au RDL, c'est l'un des cadres qui est très connu. Gon, c'est une histoire avec le RDL. Gon, c'est une histoire avec le RHDP. Gon, c'est une histoire avec la Côte d'Ivoire.
Ah oui. Et ce qui est bien encore le là, c'est que c'est un bosseur. C'est un travailleur. C'est un intellectuel accompli. Voilà ce que les Occidentaux recherchent. Ça n'a rien à voir avec vos émotions. Il n'est pas populaire, il est ceci. Il est... Non, ça, ce n'est pas des raisonnements, ça ne tient pas. Un pays, là, ça ne se limite pas à nos vies. Il y a les étrangers, il y a les investisseurs, il y a les hommes d'affaires, il y a tout. C'est tout ça qu'on regarde. Et puis, on choisit les hommes à la tête des pays. Ça n'a rien à voir avec, il est beau, il est joli, il est ceci, ça ne veut rien dire. Et ça, on vous impose ça pendant des années. Je suis là pour vous délivrer. Je suis là pour enlever ces comportements dans vos têtes. Faites le choix. Qu'est-ce que le Premier ministre a fait depuis qu'il était Premier ministre? On vous a cité son background. Depuis autant de Félix Tshisekedi à Boigny, c'est un homme qui est assis. Il a ça dans la tête. Aujourd'hui, c'est les gens qui ont des choses dans la tête qu'on met à la tête des pays. Si on n'a pas compris ça, on n'avancera pas. On n'avancera pas. C'est pourquoi je suis là pour dire aux Ivoiriens, pour dire aux militants, aux sympathisants, à tout le monde, vous qui me connaissez, c'est moi qui vous parle. On doit former un bloc. On doit être unis. On doit protéger ce que le président Ouattara fait. Et c'est pour nous le faire. C'est pour nous l'affaire. Tout ce qu'il attend, les pions et places là, c'est pour nous. C'est pour notre avenir. Non, que vous, levez-vous comme un seul homme. Allez-y dire à tout le monde que Zasso dit. On n'a qu'à se préparer à matérialiser le rêve du président du RHDP dans les yeux. Allez-y, faites vos cartes d'identité, vos pièces. Mobilisez-vous dans les villages partout. Bientôt, je lancerai le mouvement au plan national. Je serai partout pour parler à la jeunesse. Je serai partout parce que la victoire du Premier ministre me tient à cœur. La victoire du RHDP me tient à cœur. RHDP 60%, c'est qu'on a permis au président Ouattara de nous laisser quelque chose de beau. Pendant des années, on s'est battu avec lui. On a souffert avec lui. Il dit que lui, il veut maintenant rester à côté. Et il faut que les gens acceptent ça. Il faut que les gens comprennent ça. La vraie succession se prépare quand toi-même le père qui est là. C'est-à-dire le père qui est à côté et puis tu prépares tes enfants. Là, le jour quand tu t'en vas là, toi-même tu es fier dans ta tombe, tu sais que tu as préparé tes enfants. Mais tu veux mourir là, mais tu n'as pas le temps de préparer les enfants. Tu n'as pas le temps. Tu les laisses. C'est pour ça que je suis fier du président Ouattara. Il dit, j'ai travaillé avec des gens, la Montano, les Patrick Hachi, les Ahmed Bakayoko, les Bitogo, la Djoumani, tout cela. Je vais leur confier le pays et puis moi je suis là, je leur donne des conseils. Donc soyons fiers, chers amis, et que Dieu vous bénisse. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. C'est Patrick Zasso, président du mouvement, c'est-à-dire nouvelle génération. J'ai dit bien la nouvelle génération consciente. Nouvelle génération consciente. C'est-à-dire des gens qui savent d'où viennent et où ils vont. C'est-à-dire toi-même, tu connais ton passé, tu connais tes galères. Est-ce que parce que ton père est pauvre que toi, tu vas rester pauvre? Ça, c'est des questions qu'on va se poser. Est-ce que parce que toi, autour de toi, tout le monde n'a pas réussi, donc toi, tu ne dois pas réussir? C'est des questions qu'on va se poser. Non, chacun de nous a quelque chose en lui. Chacun de nous a quelque chose en lui. Seulement, il faut qu'on arrive à prendre conscience. On n'est pas obligé de jouer le jeu de la masse. Comme tout le monde aime Babo, moi j'aime Babo. Non, c'est de l'ignorance. Comme tout le monde aime Bédier, j'aime Bédier. Mais qu'est-ce que Bédier a fait? Qu'est-ce que Babo a fait? Voilà les questions qu'on se pose. Ils n'ont rien fait, c'est pas la peine. Ils n'ont pas protégé le pays. Babo a dit, quand je partirai, je vous laisserai les 322 462 km². Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Et toi, tu te bats à le soutenir. Mais c'est que tu as un problème. C'est que tu as un véritable problème. Alors, merci, chers amis, merci à vous tous. Je pense que dans les jours à venir, on continuera le combat. Voilà. Appel à l'insurrection, ça c'est l'assaut à Dou. L'assaut à Dou dit, Noka, bon, de toutes les façons, ils seront tous matés. Nous sommes en train de mettre en place une république, le temps des amusements s'est terminé. Alors, chers amis, n'oubliez pas, hein, vous voyez, voilà. C'est ce que le président nous a dit, on n'a qu'à laver nos mains. Voilà. Et puis, parce qu'il y a des gens qui ont fini de saluer les bras, sa main, mais sur son visage, tout ça, c'est pas bon. Donc, on lave nos mains, saluer là. On n'est pas obligé, non. Maintenant, on fait comme ça, on peut faire comme ça.
on peut faire comme ça, on peut faire les petits gestes, et puis c'est propre, quoi. Ça, c'est sous votre âme, tout est comme ça. C'est le respect. C'est-à-dire, ce que le président dit là, si nous on a respecté le coronavirus, là, va sortir de la Côte d'Ivoire. Il va partir, il ne va même pas arriver ici. Respectons, et puis c'est tout. Alors, chers amis, merci à vous tous. En tout cas, Dieu que vous venisse. Voilà. Alors, chers amis, allons-y faire la campagne. Mettons-nous sur terrain. Mettons-nous sur terrain. Voilà, soyons sur terrain. Marie-Bernard dit, Zasso, tu es un pour les antennes. Aïe. Mais Marie-Bernard, depuis que je parle là, tout ce que moi j'ai dit, ça se réalise. Toi, pendant des années, tu as parlé, ça fait quoi? Voilà, tes gens, les gens, toujours dans les rues, en train de danser. Mais nous, on travaille, nous, on avance. Tout ce que nous, on dit là, nous, pour nous, là, ça se réalise, ça se matérialise. Donc, c'est différent de vos émotions, votre ignorance. Nous, on n'est pas dedans. Voilà, donc, en tout cas, partagez la vidéo. Envoyez la vidéo. Voilà. Mori, voilà, c'est nouvelle génération consciente 2020. Rien que pour la victoire du RHDP et la victoire de notre futur président, Amadou Gon Coulibaly. Amadou Gon Coulibaly. Donc, mettons-nous au travail. On ensemble, on s'appelle, les gars. On s'appelle, on va envahir le terrain. On va envahir le terrain. On ensemble. Je vous ai dit, on va gagner. On est bien parti pour gagner. On a tout. On a réalisé, on a bilan. Nous, on a bilan. Voilà. Donc, nous, on n'a pas de problème. On va maintenant envahir le terrain. Donc, je vous aime. On est ensemble, les gars. Que Dieu vous bénisse.